Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement une vidéo découverte de Call of Duty Advanced Warfare. Voilà, honnêtement je suis très excité à l'idée de vous faire cette vidéo. Disons que j'avais assez hâte de la voir. Donc c'est parti. On va lancer ce petit jeu. Voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur des attentes de toute la communauté même. Ah mince, allez. Ah, t'as mis déjà le petit exosquelette comme ça. On va faire une petite partie à multijoueur. Allez, hop là. Et j'ai vu que maintenant ils ont rajouté un commun stand de tir, je crois. En gros, on peut essayer les armes, ça tourne pas mal. Alors, au nom de toute l'équipe de développement, merci de jouer à Call of Duty Advanced Warfare. Sledgehammer Games a commencé le développement du jeu il y a 3 ans avec la ferme intention d'offrir aux loyaux fans une expérience innovante et une nouvelle ère de multijoueurs. Nous avons réalisé des changements radicaux en 10 ans au niveau des mouvements du joueur et des mécaniques de jeu. Et nous vous encourageons à explorer le jeu et profiter de la puissance de l'exosquelette avec une rapidité, une verticalité et des manœuvres d'esquive jamais vues dans Call of Duty. Merci et à bientôt en ligne, Sledgehammer Games. Allez, donc déjà, on va vite fait voir c'est quoi ça, nouveaux objets. D'accord. Ok. Sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ok. Ah, ça va être dans les bonus de précommande, je crois. Ah bah on a déjà un bel petit exosquelette en or. On va essayer de voir ce qu'il y a comme classe. Là, comment ça marche. Donc d'après ce que j'ai vu, voilà, c'est comme dans Black Ops 2. Peut-être un petit peu tout ce qu'il y a. J'entends de dire que la KF5, elle est vraiment bien. On va essayer ça. Ah, ça par contre j'aime bien quand faut débloquer les objets, parce que dans Ghost il n'y avait pas ça et voilà, bon c'est un peu simple. Hop. Donc voilà. Hop. Attendez, le petit souci. Donc, attendez, je vais voir si le rangement a bien marché. C'est bon. Bah déjà on va vite fait aller essayer le petit stand de tir, donc c'est option. Allez, donc comment ça marche? Donc faut se placer. Ah ouais. Ah c'est plutôt pas mal, est-ce qu'on peut aller à bas de bord? Bon, faut que je bosse un peu mon shoot. Ah donc ça c'est vraiment pas mal chaud. Allez, on va faire une petite partie en ligne. Ah c'est... Attendez juste, c'est quoi ça? Arsenal. Ah ouais, bah ça c'est... Quantum. Ah oui, par contre juste les exosquelettes, qu'est-ce qu'il y a? Furtivité, bénéfice d'un service. Alors on va essayer le petit... On va essayer le petit furtivité comme ça. Allez, bah c'est parti. Ah, il y a les points qui sont revenus. Alors, on va lancer une petite partie comme ça. Allez, petit MMA. Et je sais pas si vous avez vu, mais attendez, juste là, c'est. Ah mince. Parce que la partie avec classement, c'est la ligue. Et c'est. Ah, c'est un 8 contre 8. Ah non, ouais. Non, bon, je sais pas. Ah, là on retrouve un peu le système de Ghost et de BO2 je crois. On peut regarder un petit peu les stats. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de niveaux avancés. On va dire ça comme ça. Allez, hop là, donc on va utiliser la...
Ah bah je l'ai plus. Attends, j'y allais où? Ah mince, je crois que je l'ai enlevé. Ah, j'ai mis le M1 quand tout. Match à mort par équipe. Tenez-vous prêts, sentinelle. C'est le moment de leur montrer ce qu'on a dans le ventre. On a le contrôle. Okay. Avant, je vais plus doucement. Ah, donc ça, c'est les dash. Ah là-bas, là. Mince, comment ça marche? Ah, que c'est comme ça. Ah, je commençais bien aimer cette arme déjà. Là, là-bas. Là-bas, il doit y avoir un petit ennemi. Allez, on va. Ah, bien joué. J'ai vu son petit laser. On va changer d'arme. On a plus l'avantage. Ah mince, je me suis pris un petit diapo. Ah c'est mo- ça fait comme une onde. Je sais pas si vous verrez quand. Je vais essayer un peu le système de grenade. Ils ont un drone. Radé à casse, je sais pas si vous voyez, mais quand elle s'éclaire en rouge, ça veut dire qu'il nous voit sur le radar. Notre drone est activé. L'ennemi là-bas. Ah là là. On va essayer des armes un peu plus normales, on va dire. Mouvement sur la passerelle. Donc là je précise, on est le 3 novembre, c'est le, on va dire le laisser avancer là. Ah là-bas c'est passé. Ah mince. Là c'est qu'à face, n'empêche, faut les prendre un peu en main les tout ce qui est dash et tout. Et qu'est-ce que c'est que le... je crois que c'est ça. Non, c'est la grenade. Ah ouais, mince. C'est quoi ça? Ah, ok, donc ça c'est mon bonus. Warbird allié dans les airs. Le Warbird a fait une demande d'assistance. Comment on fait pour aider? Ah, ouais. Bah c'est ça. Bon, je suis pas mis à la à couvert. Donc, comment ça marche pour aider une seconde? Oh là, c'est je comprends pas tout là. Je suppose qu'il faut trouver les ennemis. La question c'est où ils sont. Si le bouclier marche, bah, ah, d'accord, on peut faire un dash. Un peu de bosseau. Elle appelle à Destiny. Notre drone est activé. Ah mince, je vais pas dire charger. Ah, honnêtement là, je suis... Allez, ce qu'on peut faire. Avec le dash. Je peux... Ah, il était là-bas. Ah là là. Drone allié au-dessus. Ah, je crois qu'on peut tirer quand on fait les, Ah,
Ah là là, je crois que j'allais avoir un drone. Donc ça c'est le Stinger. D'accord. Là honnêtement j'aime bien cette idée de placement. C'est ça saute un peu moins que dans les Sims. Ah mince. Honnêtement c'est j'aime bien. Voilà, où ils sont, On va gagner. Je change de chargeur. Il y a une AK-12. Ouais, c'est l'AK-12. Ah d'accord, il y en a, ils ont déjà en dehors les armes. Je sens qu'il y a des gens qui ont déjà bien geeké le jeu. Ah bien vu. Bien vu. Ça marche. Et j'aime bien cette petite arme là-bas, 27. Elle me fait penser un peu à la Honey Badger. Pour viser. Merci. Donc voilà, il a fait le boulot là-bas, il y en a un. Allez, monte ta petite tête, allez. Et personne. Il me semble avoir vu une petite tête. Ah là là. C'est vrai que cette arme est bien chalée. Elle est assez spéciale là. C'est le du laser. D'accord. Ah non, c'est un allié. Merde. Ah, je suis pas en tactique. Pas mais. Vous avez fait un tabac. On retourne devant moi. Là on a 12 minutes, allez on en fait une dernière. Deux petites parties comme ça. Bon bah 14-12 pour une première partie, ça va. Avec une petite série de 3. Grave 1. Ah. Grave 3. Ah c'est bon, c'est un petit fusil d'assaut. On va aller voir ça tout de suite. Balle 27. Ah non c'est quoi? Attends, c'est une arme lourde. Fusil d'assaut. Ah, on dirait d'accord. Comme ça on dirait. Ah non, je sais pas ça moi. Donc comment ça marche? Ah oui. Là on a débloqué Stimulateur. On va essayer ça. C'est bon mec. En fait toi, je voulais juste. Mettre un petit ouais, une... non c'est contrôler manuellement. Hop là. Ah on va essayer ça. Bon allez, on n'a rien dessus. Ouais ne ah c'est bien ça par contre. Ouais donc voilà, donc là maintenant on pourra double sauter, faire les dash, n'importe quoi, on sera pas visible. En fait, quand ça fait comme une petite onde là, je sais pas si vous avez vu, mais quand on double saute, ça fait une onde. Bah, en gros, ça veut dire qu'il nous voit. Allez là. Allez. On attend d'autres joueurs, cette. Match à mort par équipe. Ah, par contre, voilà, c'est un truc que j'aime pas trop. Vous voyez, on voit les noms des personnes qui parlent et je trouve que c'est écrit au mauvais endroit. Ah, je vais mettre muet. Comment on peut mettre muet?
On n'a plus l'avantage. Là maintenant je sais peut-être qu'ils sont sur la même carte. Mince. Drone ennemi au-dessus. Ah mince, ça tire. Ah j'avais pas vu, ça tire 3 balles par Il est pas automatique. Alors on va vous faire un. On va apprendre à mettre un petit sniper quand même. Notre drone est activé. Je peux toutes les armes. Homme à terre. Notre drone est activé. Ah, je suis pas en terre. Ah mince, je voulais scier mon exosquelette. Hop là. On va essayer le lynx. Déjà, comme ça, visuellement, on dirait déjà un barrette. En fait, je sais pas comment on peut les mettre mieux, en fait, ceux d'en face. On a pris la tête. Ah, là on va quand même prendre une arme. Ah, là-bas il y a des petites armes. Ah, voilà, on prend la balle 27 avec avec un viseur quand même. Drone allié au-dessus. On a pris l'avantage. Elle saute. Allez, j'ai deux assistances d'affilée. Ah. Là-bas il y en a pas mal, je crois. Ah, elle saute vraiment beaucoup celle-là. Ah putain. Ça y est, ça. Drone allié au-dessus. Pour l'instant, franchement, pour l'instant, il a l'air vraiment bien. Après, faut voir, je pense, à l'usure. Avec le temps, après, faut. On va dire faut le tester quoi. Il est passé là. Ils sont coriaces. Continuez à tirer. Ok. Drone allié au-dessus. Donc il n'y a personne qui a encore prestige dans ce jeu. Ah, j'aurais juré qu'il était mort. Oh là là. On va essayer le M1. Ah oui, ça c'est ça. Ah, ça c'est pas des SMTS. J'ai trop l'habitude de. Drone ennemi au-dessus. On va dire shoot de merde. Après, ce qu'il aurait dû faire, je pense, c'est un peu à la système de BF. Faire comme un système de pouvoir éteindre le viseur quand on essaie de les prendre par derrière les ennemis. Notre drone est activé. Ah mince. Ça c'était quoi, une paralysante. Bien joué les gars, c'est Irons qui va être content. Il me semble avoir fait la kick-cam.
Ah, j'avais pas vu les viseurs qui se rougissent, on va dire. Alors, ce qu'on vise un. Oulala, du 4-12 quand même, c'est pas beau. C'est pas super, 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 super beau. Donc voilà. On est passé quand même niveau 6. Donc, voilà, attends, on va quitter ça. Hop là, on va vite fait. Je vais vite fait essayer de voir. Normalement, quand c'est, je voulais faire, il est d'accord, on peut avoir ouais, ça marche comme ça. On va vite fait vous et le petit ce qui paraît, cette arme elle est vraiment pas mal. Bon, bah moi je crois que je vais vous laisser là et puis je vais aller geeker un peu. Ouais. Attendez. Par contre, je voulais juste. Ah, c'est ici. Ah, après, voilà, après, il y a ça. Après, il y a les personnalisations. Moi, je vais prendre un bonhomme. Lui, on dirait un peu Wolverine. Allez, moi, je prends lui. Lui. Non, on peut pas, genre, changer des trucs. Voilà. Et après les lunettes, on peut mettre des lunettes. Moi je vais mettre L. Petit casque comme ça. Allez, moi je prends le petit haut, hop, l'équipement. Petit haut de civil. Hop, hop, les gants. Un petit gant comme ça. Pantalon qui va avec. Encore, on peut mettre des petites genouillères. Je vais mettre les petites comme ça. Après, j'ai vu, normalement, après ce que j'ai vu, on peut échanger nos armures en fait contre des. Contre des comment on appelle ça? Contre. Comment on appelle ça déjà? Contre de l'XP. Donc après, c'est les prestiges, les clans. Les défis, les cartes d'argent. Ah, ah oui, donc ça après c'est pour créer les emblèmes. Donc ça après je pense qu'il y aura pas mal de vidéos sur sur internet sur comment avoir. Oula, d'accord. Donc là ils nous en donnent déjà des prêts débloqués. Moi je vais prendre on va prendre le petit. On va prendre lui. Donc après on peut utiliser une marque de clan. Donc voilà. Donc je crois vous avoir à peu près montré, on va dire, le plus important. Donc moi je vous dis ciao et à la prochaine.